Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Donc en ce mardi 7 mai, comme je vous l'ai dit, ça va être une semaine de folie. Alors le mardi 7 mai, c'est l'anniversaire de Chantal Meunier. Mais elle dort pas là, enfin je pense qu'elle est réveillée, j'en sais rien, je ne sais pas, est-ce que tu dors bien hein? Meunier, tu dors, tombe là, va trop vite, tombe là, va trop fort. Alors Chantal, c'est ton anniversaire, c'est le HHH 271 et on te fait tout plein de gros bisous hein? Quand tu chantes, ça va, vous avez compris quoi. C'est la Saint quoi aujourd'hui? Attendez, j'ai pas regardé, non, j'ai pas regardé, déjà hier j'ai pas regardé hein. Non, alors c'est la Saint. Alors hier c'était Prudence, ah, ça c'est sûr, hein, Prudence sur la route surtout. Hein. Et alors aujourd'hui c'est la Saint Gisèle. Alors bonne fête à toutes les Gisèles, hein, et donc aux Prudences hein, d'hier et d'aujourd'hui. On a pas idée de s'appeler Prudence, non, c'est ça. Fais attention Prudence. Attention Prudence, enfin! Regarde avant de traverser à gauche et à droite. Prudence. Enfin bon, enfin, on les appelle comme on veut nos enfants. Hein. Mais bien sûr que si, on fait qu'est-ce qu'on veut. Alors bon, bonne fête à Prudence et à toutes les... J'ai dit quoi? C'était qui? Ah, je ne sais plus. C'était qui aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Attendez, j'ai... c'était Gisèle. Ah oui, Gisèle. On en a des Gisèles? Je sais pas. Hein. Gisèle, Gisile. Vous avez compris quoi. N'importe quoi, c'est comme d'habitude. On s'en fout. Non, mais dites donc, on fait qu'est-ce qu'on veut, on dit qu'est-ce qu'on veut. Alors, on est donc... J'ai dit quoi? Je fais exprès. Ou pas. Non, je fais pas exprès, c'est naturel chez moi. Alors, le 7 mai, on nous dit un anthropophologue... Non, n'importe quoi. Non. Là, je viens d'inventer un nouveau métier qui n'existe pas. Un anthropophologue, je ne sais pas ce que c'est. Mais là, c'est un anthropologue. Hein? Alors, ça doit être des trucs du pied, ça. Enfin, je sais pas. Se balade dans une forêt tropicale lorsqu'il se retrouve nez à nez avec un énorme tigre. Hein. Il se retrouve nez à nez avec... Pourvu que ce tigre ait une pensée chrétienne. C'est alors qu'il entend l'animal dire « Merci mon Dieu, bénissez ce repas. » Ah ouais, il va le bouffer. Hein. Ah bah attendez, hein. C'est normal, c'est la nature. Hein. C'est la nature. C'est beau, j'ai vu ce week-end, là, c'était quand? Dimanche? Non, je sais plus, j'en sais rien. Un reportage là, sur TF1, là, vous savez, moi je regarde Doc, je sais pas quoi, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout. Hein. C'était sur les métiers à risque, vous savez, les vétérinaires des animaux, comment dirais-je, exotiques, quoi, enfin, les trucs, voilà quoi, dangereux, quoi. C'était vraiment beau, hein. C'était vraiment beau, c'était tellement magnifique, hein. Voilà. Vous en foutez, c'est bien. Alors donc, on se retrouve avec joie, hein, plaisir et bonheur, enfin bon, tout ce que vous voulez. Hein. C'est quoi qui sonne là? Ça sonne de partout chez moi, je ne sais pas, on s'en fout. Alors donc, on s'est quitté hier avec l'album Shabby Chic. Hein. Alors évidemment, je n'ai pas du tout respecté ce que j'avais dit, c'est-à-dire ne rien faire, j'ai fait. Mais vous avez vu sur la communauté, j'ai mis une photo hein, de la couverture de mon album qui était tout mignon. Je vous le montre rapidement, hein, parce qu'on l'a déjà vu assez comme ça. Alors la couverture, donc j'ai mis mes symboles avec tout ce qu'on m'a offert. Tout ça, c'est tout ce qu'on m'a offert. La grosse marguerite qui allait vraiment trop trop bien avec. Le gros nœud là comme ça qui rappelle celui-là. Hein. Un cœur en bois là comme ça, cadre bois, moi j'ai mis comme ça. Voilà, c'est pareil, on me l'a offert. Hein. Les petits papillons, c'est une petite boîte d'embellissement bois que vous m'avez offert avec seulement que des papillons dedans. Donc c'était vraiment tropicaux. Hein, ça tombait trop bien quoi. Ça n'a rien à voir avec le tropico, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et alors, le sentiment souvenir, puisque justement, comme je ne savais pas quoi mettre, album mariage, album naissance, album je ne sais pas quoi, souvenir, ça marche avec tout. Hein. Souvenir. Vous me ramenez dans mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens d'un soir de danse, jour contre jour. Souvenir, vous resterez mes copains. Donc voilà, là, j'avais mis de la dentelle, je l'ai fait avec vous, non, je ne m'en rappelle plus. Enfin bon, j'ai fait ça.
C'est très beau, hein. Vous dites c'est très beau, ça me fera plaisir. J'ai mis des coins métalliques, bien sûr, parce que je trouve que ça fait toujours joli. C'est pareil, vous me les aviez offerts, donc voilà, ils sont là. Derrière, je n'ai rien fait, à part évidemment la, le dentelle. Le dentelle. le dentelle là, hein. C'est ça. Et alors, un petit charme comme ça, tout mignon, qu'on ne peut pas retirer. Enfin, on peut pas retirer, bien sûr qu'on peut le retirer. Si je retire l'anneau, je le retire là. Mais j'ai fait un petit charme vraiment léger, léger. C'est pareil, avec des pompons, des petites dentelles que j'ai remis, voilà, un pompon rose, un pompon blanc, c'est très mignon. Un petit embellissement, un petit charme que vous m'aviez offert, love, 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 c'est trop mignon. Hein. Et alors voilà, et donc la seule chose que j'ai fait, c'est mes tags. Vous savez, je vous avais dit que moi je voulais des tags qui dépassent. C'est un choix, je répète, vous n'êtes pas obligé de faire des tags qui dépassent. Mais moi, j'avais envie de faire ça, c'est tout à fait mon droit. Vous faites bien ce que vous voulez, c'est comme d'habitude. Alors, j'ai juste mis en déco un seau là où il y a marqué love. Hein, voilà. Et tous mes tags, je les ai tous faits de la même façon, c'est-à-dire j'ai laissé la longueur et j'ai mis de la dentelle tout autour. Ça, c'est de chez Action, ça. Hein. Donc, j'ai fait un truc en dentelle, enfin en ruban comme ça. J'ai mis de la dentelle tout autour et des petites pierres là que vous m'avez offert aussi, comme ça là. Hein. Voilà, il me reste plus que ça. Non, j'ai plus rien. Non, j'ai rien. Et donc, pour faire la soudure du ruban, je l'ai fait au milieu, la soudure. Hein. J'ai mis hein, et j'ai fait la soudure au milieu avec une petite pierre comme ça qui rappelle très très fort donc toutes les pierres, les petites perles, vous savez, des perles quoi. J'avais envie de faire une petite touche de perles pour rappeler les perles qu'il y a sur le papier. Voilà. Et donc, j'ai fait ça 6 fois. Et donc, voilà, ça fait ça. Voilà, ça fait ça, ça fait ça. Moi, j'aime beaucoup. Comme mon amour. Je le dis souvent, les goûts et les couleurs, ça, vraiment, c'est compliqué. Et donc, quand c'est ouvert, ben, ça fait ça. C'est tout mignon, c'est charmant, c'est joli. Je ne vous le remontre pas parce que les pochettes, j'ai rien changé. Hein, j'ai rien changé, voilà. C'est hyper chabi, enfin, on pourrait faire encore plus chabi, hein. Vous pouvez rajouter encore plein de dentelles sur les bordures, les machins, tout ça. Je trouvais que c'était largement suffisant, comme ceci, hein, voilà. Donc, je voulais vous le montrer terminé, et voilà, c'est tout. Voilà, ça peut peut-être vous donner des petites idées, hein, si vous ne voulez pas laisser dépasser, bien sûr, je vous répète, vous coupez, hein. Là, ce qui dépasse, vous le coupez, ça rentre dedans, puis voilà, on n'en parle plus. Hein. Voilà, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire, vous avez dû voir ma photo de mes vidéos de présentation de boîte, la QTB. Vous savez, la boîte en puzzle, là. Alors, vous avez sûrement remarqué que c'est des vidéos qui sont prêtes depuis vachement longtemps, ça. En fait, j'avais fait des vidéos dès que j'ai reçu, parce que j'étais tellement impatiente et tout ça. Et ça devait être fait pour le 1er mai, je vous raconte tout. Ça devait être prêt pour le 1er mai. Donc, moi, j'ai préparé pour le 1er mai. Et alors, ils m'ont envoyé un message en me disant « Non, 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 on n'est pas prêts, nous. » Je sais pas, parce qu'ils ont toute une opération. Ils font une opération avec cette boîte-là. J'ai pas tout lu parce qu'ils m'ont pas dit ce qu'ils préparaient. Enfin, bref, passons. Donc, je ne savais pas ce qu'ils préparaient. Et alors, ils m'ont dit « Non, nous, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts. Mettez pas la vidéo tout de suite et tout ça. Pas le 1er mai. Attendez le 6 mai. » Donc, c'est pour ça que vous avez eu les vidéos hier. C'est pour ça qu'hier, vous étiez bombardé de vidéos. Vous avez eu la vidéo quand j'ai reçu la boîte. Ensuite, la vidéo quand j'ai fini la boîte, parce que j'ai quand même mis, je sais plus combien, j'ai pas mis longtemps. J'ai dit dans la vidéo, je m'en rappelle plus. Hein. Franchement, ça fait longtemps qu'elle est prête. Hein. Et moi, en une semaine, il s'en passe tellement de choses que je me rappelle plus. Donc, j'ai dû mettre entre 8 et 10 heures, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, ça a été assez rapide, voilà, je me suis bien éclatée parce que c'est un thème, voilà, ça fait penser à Harry Potter, la magie, machin, ça, donc je me suis vraiment bien amusée à faire ça, c'est un très joli résultat, c'est une très jolie boîte, et j'aime bien faire ça, même si après ça prend de la place, vous avez compris, mais par contre c'est vraiment super, super sympa, c'est joli, et tout ça dans une bibliothèque, c'est vraiment super beau. Et puis, c'est agréable à faire. Bon, voilà. Donc, vous avez eu tout ça hier. Donc, ça faisait beaucoup. Hein. Je suis désolée. Mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Voilà. Je tenais à vous le dire quand même aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec ce que j'ai reçu de InLoveArt. Hein, puisque je vous ai montré aussi hier, donc, avec le tuto de l'album, ce que j'avais donc commandé, enfin reçu. Hein. Et donc, entre autres, on va faire une carte que tout le monde peut faire. Je m'étais dit, on va sortir les bolducs, hein. On va sortir les bolducs, on va se faire une carte à base de bolducs, hein. Parce que, figurez-vous, non, je vous raconte, je voulais faire une carte à base de bolducs,
Je cherche le bolduc parce que j'en achète toujours. Je ne sais pas pourquoi faire parce que je fais jamais de cadeaux. Non, je fais jamais de cadeaux. Je trouve plus le bolduc. Non, j'ai pas trouvé mon bolduc. Vous savez, j'avais acheté des rouleaux chez Action avec des multicolores, machin, tout ça. Enfin, je voulais faire quelque chose de très festif et je ne les trouve plus. Alors, je sais que j'en ai utilisé il n'y a pas longtemps pour faire je sais plus quoi. Enfin bref, je ne les trouve plus. On laisse tomber. Donc du coup, j'ai trouvé un vieux rouleau comme ça, or, que je me sers pas. Hein, je m'en sers pas. Enfin, je sais pas si vous vous en servez du bolduc à part pour faire des paquets cadeaux au moment des fêtes ou à un anniversaire. Je m'en sers jamais. Je me suis dit, je vais m'en servir pour la carterie. Donc, sortez vos bolducs ou pas. Faites ce que vous voulez. C'est comme d'habitude. C'est parce que moi, donc, je vous ai dit que j'avais commandé. Je vous les ai montrés hier. Donc, les dailles qui vont avec les tampons sur le thème de la naissance. Alors, on voit mal là, bien sûr, on voit très très mal. Est-ce que ça c'est bien? Voilà, hop là, c'est la naissance. Voilà, des petites mimines. Il y a maman. Alors là, ça fait penser plus à maman, hein, les mains de maman. Là, les mains de papa, peut-être. Je sais pas. Hein, là, franchement, je vous avoue que, ouais, j'en sais rien. Mais c'est des mains de parents avec les bébés. Enfin, le bébé qui tient, c'est trop mignon. C'est un garçon, c'est une fille. Tu es mon bonheur. Enfin, je sais plus. Ouais, bienvenue, petit être, hein, petite chose, petite être. Un hein, little one, c'est voilà. Voilà, et puis voilà, tu as mis du baume au cœur, enfin bon, voilà, tous les jours, voilà, c'est plus d'amour, etc., etc. Bon, bref, c'est sur le thème de la naissance, et donc, du coup, évidemment, si vous n'avez pas ces dailles-là, c'est pas grave, hein. Enfin, vous n'avez pas cette ampoule-là, machin, c'est pas grave. On peut faire une carte avec du bolduc, avec n'importe quel tampon, ou n'importe quel die cut, voilà, enfin bon, c'est pas très gênant, et puis donc, voilà. Alors, je les ai donc tamponnés. Pour gagner du temps, hein, parce qu'on n'a pas que ça. Hein, on n'a pas que ça. Donc, je les ai tamponnés. Voilà ce que ça fait. Je les ai tamponnés et embossés à chaud. Alors, je ne sais pas si à la caméra ça se voit. Je les ai tamponnés à chaud en couleur or. Or, pourquoi? Parce que mon bolduc, il est or. Voilà, c'est ça. Je voulais que ce soit assorti. Je vais faire une carte extrêmement simple. Enfin, extrêmement simple, j'en sais rien. Enfin, une carte, quoi. Sur le thème de la naissance, au bout de 12 minutes. Hein, c'est ça. Alors, donc, c'est parti. Je vais travailler le craft. Le jaune paille, là, le or, là, enfin, ça, là, hein, du jaune, du craft. Je vais faire du 10-15, comme d'habitude. Et puis, c'est tout. Allez, on est parti. Voilà, au bout de 12-21. Donc, avec ce die-là, ce qui est vachement bien, c'est qu'on a les découpes, les meurtres, hein, là, les découpes, quoi, les dailles. Hein. On a les tampons et les dailles. Et ça, c'est bien quand on ne veut pas détourer. Mais c'est bien, mais il faut bien les placer. Il faut pas. C'est bien. Voilà. C'est ça. Allez, je prends une base, 10-15. D'accord? Sur cette base, eh bien, je vais faire un montage de bolduc. Alors, pour ce faire, ça va mon bébé d'amour? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est quand même pas ma faute si je t'aime. C'est ça. Je prends du scotch. Pourquoi du scotch? On va faire quelque chose de très simple, j'ai dit. On va se faire un montage. Comme on veut. Vous mettez votre bolduc, on va se faire un montage comme vous voulez. C'est-à-dire. Allez, hop, je vais partir en biais comme ça. Pourquoi pas? Et je mets juste derrière du scotch pour tenir. On va se faire un petit tressage comme ça. Tout simple. Tout simple, tout simple. Voilà. Vous voyez, on fait un peu n'importe quoi. Si, on fait n'importe quoi, on fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Vous voyez, on part. Moi, je pars comme ça, la première. Voilà. On fait ce qu'on veut. Hein. Et puis, on va se faire un tressage comme ça, plus ou moins serré, plus ou moins serré, enfin, comme on a envie. Vous voyez, comment dirais-je? Je ne colle pas mon bolduc sur ma carte. Je ne le colle pas. Parce que je ne veux pas le coller. C'est ça. La bonne blague. C'est juste parce que je ne veux pas le coller. Alors, vous faites des parallèles ou pas des parallèles. Ah, on fait, hein. Une petite carte toute simple, toute mignonne, pour utiliser ces bolducs. Bolduc, Bolduc. J'aime bien ce nom-là. Oui, Bolduc. Bolduc. Alors, regardez, c'est beau, hein? On pourrait s'arrêter là, hein? Ça serait très joli. Amusez-vous avec votre Bolduc. Ça change du washi. Ça change du washi. Voilà. Hop, je mets hop comme ça. Là, je fais ça, et ça. Voilà, ça y est, mon chien, il est complètement fou. Vous savez que je crois que le chat, pas le chien, mais le chat du voisin, a dû manger les petits oiseaux, les bébés oiseaux qui sont nés il n'y a pas longtemps parce que tout est renversé.
le pot, enfin j'avais protégé tout ça, et tout est renversé, il y a des poils de chat sur la... Et c'est pas la roubouille, c'est sûr et certain. Ça va être le chat du voisin qui a dû manger les petits oiseaux. Et alors j'en suis malade. Alors, quand je vous dis malade, c'est vrai, j'en suis malade. Enfin, bon, de toute façon, c'est comme ça. Malheureusement, on peut pas... on peut pas... on peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler, mais ça me rend triste, j'aime pas. J'étais tellement contente d'avoir réussi à avoir des oiseaux qui nichent et tout, que je pense que c'est terminé, je ferai plus. Ça fait déjà deux fois que ça m'arrive, ça. Alors, on fait, hein, comme ça ou pas, hein, d'accord? On fait rien de sorcier, non, vrai, on fait rien de sorcier, mais on fait ça, comme ça. Vous voyez, c'est super facile. T'as fini, oui, hein? Est-ce que t'as fini, mon cœur? On t'entend, tu sais. Hein? On peut s'éclater avec le scotch. Pourquoi? Parce que ça se voit pas derrière. Hein? On a pas besoin de coller. Non, pas besoin de coller. Pas besoin de... Ah, voilà. Je pense que c'est bien, là. Dans ce sens-là... non, peut-être un bout, là, en bas. Hop. Et puis, un petit bout, là, comme ça, pour finir. Vous en mettez autant que vous voulez, bien évidemment. Ça, c'est vraiment... Là, alors là, je peux pas décider pour vous. C'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre. Hop, hop, hop. Voilà, un petit bout là et un petit bout là. Je regarde ce que je fais. Hop. Bah, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. On disait que c'était bien. Alors, maintenant, je vais croiser. Parce que j'ai envie de faire ça, moi. Hein. Je vais croiser. Alors, pour croiser, eh bien, on met un en dessous, au-dessus. On se fait un petit tressage, comme ça. Hein, histoire de faire un petit truc un peu chic. Voilà. Comme ça. Hein. Amusez-vous avec vos bolducs. Alors, quand on en a des multicolores et tout ça, on peut faire quelque chose de très festif et tout. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien. On peut faire quelque chose de très, très rigolo. Hein. Voilà. Faites avec ce que vous avez, bien sûr. Hein. Faites avec ce que vous avez. Hein. Voilà, je vais en mettre un comme ça. Là, donc. Ben, je croise. Quand j'ai fait un côté comme ça, je fais le contraire. Voilà. Hop. Vous voyez? On fait rien de foufou, mais on le fait quand même. On dit qu'on est content. Et on dit qu'on est content. Hop, voilà, c'est très joli. Hop, ensuite, ça en fait des épaisseurs, dites donc. Comme ça, hop, toc, toc. C'est vachement facile, vachement rapide. Il n'y a rien de sorcier à faire ça. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon comme tout, ça. Franchement, c'est trop mignon, trop mignon, trop mignon. Voilà. Rien de difficile, hein. Rien de difficile, et en plus, c'est assez rapide, j'ai envie de dire. Voilà. Mince. Si je mets le scotch à côté, ça va pas être facile. Mince, j'arrive pas. Je vais y arriver. Si, je vais y arriver. Hop là, voilà. C'est parce que ça m'échappe, hein, n'est-ce pas? Donc hop, coupé à ras, voilà. On peut continuer à en mettre. Je vais en remettre encore là et là. En dessous, on va mettre en dessous, hop, au-dessus, en dessous, au-dessus, hein, voilà. On peut faire ça aussi avec le washi si vous n'avez pas de bolduc, hein. Si vous n'avez pas de bolduc, vous pouvez le faire avec le washi, hein, ça n'a rien de... Hein, d'accord? Vous pouvez faire avec ce que vous avez, bien sûr, hein.
Après, des bandes de papier, hein. Des bandes de papier, des chutes de papier, hein. Je suis en train de réfléchir là à toutes celles qui n'ont pas. Toutes celles qui n'ont pas de bolduc, hein. Vous allez dire, ah, bah, je peux pas faire la carte. Bien sûr que si, hein. Des chutes de papier, des. Qu'est-ce que je viens de dire? Des chutes de papier, du washi. Il n'y a rien de. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire ce que je fais. Hein. Strictement rien. Non. Voilà. Ensuite, là, on va se mettre par-dessus. Hop, hop. Là, je vais écarter comme ça. C'est parce que j'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie d'utiliser mon bolduc, là. Ouais. J'essaie de ranger un petit peu mon... Oui, bon, vous avez compris, quoi. J'essaie de ranger mon atelier. Hein. C'est cela, oui. Je range rien du tout, c'est pas vrai, mais je retrouve des trucs, je me dis, tiens, je vais faire quelque chose avec ça. Puis comme j'ai... hop, voilà, j'en fais encore. J'en fais encore, hein. Oui, ça vous embête, hein. Mais non, vous dites que ça vous embête pas. Hop, hop, hein. Hop. C'est vraiment joli, c'est très joli de faire ça. Alors, moi, j'en ai plus qu'un, parce qu'évidemment, je vous ai dit, hein, j'ai cherché... Et ben j'ai cherché, quand, évidemment, quand je veux un truc, j'en ai plus, hein, bien sûr. Mais j'en veux pas. Hein. Je n'en veux pas. Hein. Non, non, j'en veux pas parce que je m'en sers pas. Hein. Peut-être que je m'en suis servi et puis je m'en rappelle plus. Hein. C'est tout à fait possible. Regardez, c'est beau. Hein. Vous voyez, vous dites, c'est joli. Hein. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et enfin, un dernier. Donc, au-dessus, en dessous, je fais le contraire. Je croise. Hop là. Voilà. Un bout comme ça, un bout comme ça, et ça ira bien. Voilà. Je l'ai fait avec vous, ça, mais on aurait pu le faire chacun de son côté. Hein. Voilà. Et lui, il veut pas tenir, donc il va me gaver, hein. Bien sûr. C'est normal, c'est tout à fait normal. Hop là! On disait qu'on était content de son tressage. Vous savez, on était content. S'il n'est pas super nickel, enfin, moi, ça m'indiffère. Oui, ça m'indiffère. Parce que je vais mettre des choses dessus. Donc, on fait ce qu'on veut. Hein, on fait ce qu'on veut. Allez. Ensuite, eh bien là, je vais coller donc mon tressage, mon magnifique tressage sur ma base. Alors, hop. Là, pour ce faire, je regarde si je sers bien quand même. Hein, voilà. Je vais mettre donc du double face, tout à fait ordinaire, c'est pareil. Comme ça, sur les côtés. Hop. Une fois. Hop là, deux fois. On a un petit coup là, un petit coup là. Hop là. Voilà. J'aurais pu le mettre en 3D. Vous mettez bien comme vous voulez. C'est toujours pareil. C'est over simple, over simple. Hop là, ma carte essouffle comment? Viens ici, toi. Ça me colle. J'ai toujours des trucs qui se collent sur moi, vous savez. Je sais pas comment je me débrouille. Ça vous arrive, ça? Que votre rouleau de double face, il se colle sur vous? Moi, c'est tout le temps. Hein. Donc, hop. Allez, j'ai ma base de cartes, parce que on pourrait faire une patouille, on pourrait faire n'importe quoi, mettre un joli papier déco. Moi, j'ai décidé de faire ça. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Voilà, ma base de cartes, elle est prête. Et maintenant, donc, j'ai préparé, donc, c'est cette planche-là, ok. Alors, moi, j'ai préparé, hein, parce que, hein, voilà, quoi, vous avez compris. Alors, hop là, je vais prendre, je les ai colorisées, je vous montre, j'en ai préparé deux. Donc, je les ai colorisées, donc, il y a celle-ci, hein. Voilà, c'était tout mignon, c'était tout mignon. Il y a celui-ci, il y a celui-ci. Vous voulez que je vous montre sur un papier blanc, hein, c'est mieux peut-être. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a celui-là. J'ai collé au feutre à alcool, si vous voulez savoir. Hein.
au feutre à alcool. Donc, il y a celui-là, il y a celui-là, hop, il y a celui-là. Et donc, il y a celui-là. Regardez, j'ai fait des mêmes couleurs. Voilà, voilà, voilà. Voilà, couleur peau ou pas, hein, c'est ça. Et puis après, les sentiments, c'est pareil, je les ai imprimés en main. Voilà, voilà. Ah, ça fait ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour ce faire, je vais prendre les mimines, là, comme ça, là. Regardez, comme ça, c'est très joli. Vous dites, c'est joli, ça me fera plaisir. Alors, je vais mettre les mimines ici. Mais là, je vais les mettre en 3D. Alors, je ne sais pas si ça va être bien, mon 3D qui est là, là. Je ne sais rien. On va quand même, je vais quand même le mettre en 3D dessus. Je fais, hop, c'est quelque chose de simple. Simple, simple, simple. Je vais mettre peut-être deux épaisseurs. Une. Je vais en mettre deux épaisseurs. Parce qu'il est assez fin ce 3D. Donc, je vais en mettre deux épaisseurs. Allez, hop. J'ai choisi celui-là, mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Hein. Donc, hop. Donc là. Hop là, je vais mettre mes petites mimines un peu comme ça, là, au milieu. J'en sais rien, je sais pas, je les mets là, je sais pas trop où les mettre. Je les mets là, voilà. Voilà. Hein. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, que vais-je faire? Je vais faire une composition de fleurs avec les fleurs de chez Action. Vous savez, je vous avais trouvé ça chez Action, là, récemment. Ils ont sorti des nouvelles fleurs comme ça en papier. Hein. Eh bien, on va faire une composition de fleurs comme ça, tout en dessous, là. Alors, ce que j'aime pas, c'est les strass là, à blanc là. Enfin, c'est pas jojo ça, mais c'est pas grave. Hein. Ils sont très belles, les petites fleurs, elles sont adorables. Alors, on va se faire une composition de fleurs là, comme ça en dessous. Alors, pour ce faire, bah, ça je sais pas. Enfin, je sais pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, c'est pas que je sais pas, c'est que. Voilà quoi. Hein. On va mettre. On va faire une composition. Alors, attendez, je retire les pierres. Franchement, c'est pas. Voilà. Alors, comment je fais? Je ne sais rien. Je prends des fleurs jaunes, là, orange. Comme ça, là. Je vais en faire... je vais mettre les superposer, là, comme ça. Hop, pour faire une plus grosse fleur. Hop. Ouais. Voilà. Je vais mettre une petite avec. Je vais faire une... En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que je vais faire une composition, là. D'accord? Alors, un peu de colle. Un peu de colle scotch, ça sera très bien. Hop. Allez, je vais partir, je vais faire une composition de fleurs juste comme ça. Hop. Avec une petite... du blanc, là, comme ça. Je vais en mettre plusieurs, là. Faire un peu... hop. Je fais exprès de les décaler. Je vais en remettre une orange par-dessus. Voilà, comme ça, et je vais peut-être mettre ces strass là plutôt au milieu. Voilà, ça vous les avez ces strass là? Non, vous me les avez offerts, alors je m'en sers. Hein. Voilà, elles sont peut-être un tout petit peu mieux que les blancs là, mais je les garde. Hein. Je les garde, faut pas les jeter hein, parce qu'on s'en servira pour mettre sur autre chose. Hein. Ça n'a aucune importance. Hein. On les retire des fleurs. Là. Enfin, moi, je les retire des fleurs. Moi, je les retire des fleurs. Mais je veux dire, je les récupère, je les mets là et j'utiliserai pour autre chose, hein, bien sûr. Hein. Parce que, bon, voilà. C'est parce que là, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de prendre celle-là, mais c'est pas grave. Hein. Parce que comme c'est or, machin, tout ça, enfin bon, bon. Après, là, je vais mettre une blanche, là, comme ça. On fait un bouquet. Hein. On fait un petit bouquet comme ça. On disait que c'était une fille. Je suis désolée, on disait que c'était une fille. Hein. J'ai pas envie que ce soit un garçon, ça sera une fille. On fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Si c'est un garçon, vous pouvez me faire un joli bouquet de fleurs bleues. J'en sais rien, moi. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est comme d'habitude. Hein. Voilà, je vais faire, hop, un peu de... Hop. Alors, faut que ça tienne, bien sûr. Hein. Ça, faut être patient, quand même. Hein. Hop, hop. Oh, c'était tout mignon. Oh là là. Je fais un petit... voilà, là, je vais mettre celle-là. Là, je vais mettre celle-là. Faites une composition florale. Je mets pas de feuillage. Je pourrais mettre des feuillages, bien sûr. Je pourrais, hein. Mais bon. Je sais pas. Hop, donc, hop, hop.
Trop adorable. Alors, les petits strass or, là, en forme de fleur pour le milieu. Hop. Hop. Voilà. C'est trop mignon. Trop, trop mignon. On fait une petite composition comme ça. Maintenant, en haut, on va mettre des petites blanches. Des petites, je veux dire. J'en ai assez. Elles sont où, les fleurs? Je sais pas. J'en ai assez ou pas? Je sais pas. Ah, si, j'en ai. C'est parce qu'elles sont là. Pourquoi elles sont là? Je les ai fait valdinguer, non? C'est possible. Parce qu'elles sont partout, sauf sur la table. Alors, hop là, je vais mettre des petites oranges là sur les côtés. Alors, je vais peut-être laisser les strass blancs là. On fait ce qu'on veut. Non, oh, non, je ne vais pas les laisser. Non, 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 non. Non, non. Non, non, je ne les laisse pas. Hop. Vous faites un bouquet, quoi, sous les mains ou sous, je sais pas quoi, sous votre embellissement. Je sais pas ce que vous avez mis comme tampon. Hein. Peu importe, peu importe. Hop. Comme ceci, comme cela. Voilà, je vais en mettre une blanche par-dessus, peut-être. Hop. Voilà. Voilà. On peut mettre un strass au centre. Qu'est-ce qu'on a comme strass? J'ai pas ce qu'il faut. Non, j'ai rien. C'est ça. Je n'ai pas. Hein. Non, je n'ai pas. Je veux pas du blanc. Mais j'ai pas de. J'ai rien. Donc, c'est pas grave. Je vais continuer avec le jaune là. C'est un peu gros. C'est un peu gros. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ça ira. Et puis, je vais en mettre. Oh, c'est très mignon, regardez. C'est très joli, hein. C'est joli. Si, c'était tout mignon. Hop. Ensuite, en guise de feuillage, je vais mettre du bolduc encore, du bolduc. Alors, pour ce faire, vous coupez un bout de bolduc. Hein. Vous pouvez le couper, vous savez, moi je fais ça souvent. Enfin, j'ai un outil là pour friser tout fin là. Alors, hop, hop. Hop, voilà, je fais des petites languettes avec des grosses. Je les frise. Je les frise. Hein, on les frise, on les frise, on les frise. Hop. Bon, là, c'est vrai que, bon, comme j'avais que du or, hein, j'aurais bien voulu avoir du blanc, vous savez. J'en ai en plus, hein, je ne sais pas où il est. Parce que j'aurais fait un fond blanc et puis les petites frisettes et tout ça en or, ça aurait été plus joli. Mais bon, là, du coup, j'ai arrêté de chercher parce que je le trouverai une fois que j'en aurai plus besoin, bien sûr. Hein, parce que je suis quasiment sûre d'en avoir, bien sûr. Hein, parce qu'un fond blanc, ça aurait été plus joli. Oui, enfin, ça aurait été plus joli. Voilà. Et là, donc, on va mettre des bolducs en guise de feuillage. D'accord? Alors, hop. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous débrouillez, hein, c'est ça. Vous mettez là, comme ça, hein, hop, vous faites sortir. Alors, je vais mettre de la colle, là, par exemple, par contre. Hop. Un peu de colle, hop. Et je vais faire comme si c'était des feuillages. Hop. Voilà. Hop. Les frisettes. Ici. Voilà. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et vous faites sur n'importe quel thème avec n'importe quel tampon, hein. Bien sûr, un bouquet de fleurs, des bolducs à la place des feuillages, tout le monde peut le faire, ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors peut-être j'aurais pu mettre, ça aurait été peut-être plus intelligent comme d'habitude, de mettre les soi-disant feuillages avant les fleurs, hein. Mais moi j'aime bien mettre les fleurs avant pour savoir où je mets les feuillages, mais je sais. Donc voilà, bon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça, hein. Je fais toujours n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais bon voilà quoi. Vous avez compris, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Hop. Oui, je m'adore. C'est pas ma faute si je m'adore. C'est ça. Donc, hop. Je colle comme ceci, comme cela. Voilà. Je... hop. Voilà. J'aime bien faire... Vous voyez, regardez. C'était tout mignon. Enfin, je sais pas si on voit, d'ailleurs, parce que or sur or, hein, si. Or sur or, voilà, quoi. Hein, c'est ça.
Voilà, hop, mais ça fait sympa, sympa, sympa. Voilà. Il est un peu trop gros celui-là, donc je vais la maigrir. Hop là, je le maigris, je le fais maigrir, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut comme. J'aime bien, moi, travailler le bolduc. Je trouve que c'est rigolo comme, comme matière là. Voilà, hop, un peu de colle. Oui, juste un peu de colle. On voit plus les pieds du bébé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est très, très, très adorable. Il m'en reste un, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre. Je voulais pas le mettre, mais je vais le mettre du coup. Hop. Hop là. Voilà. Mince. Mince. Voilà. Hop. Voilà. On va laisser sécher. Regardez, c'est joli. Enfin, je ne sais pas si on voit bien parce que vraiment. Si, on voit, on disait qu'on voyait. Hein. Maintenant, il me faut mettre le sentiment. Moi, je vais le mettre ici. Hein. Donc, je disais que c'était une fille. Ou welcome, little. Je sais pas, on met ce qu'on veut. Hein. On met ce qu'on veut hein, comme sentiment, là, franchement. Ah, par contre, j'aimerais bien avoir un fond. Oh, je vais mettre c'est une fille, moi. Oh, c'est trop mignon. Je voulais mettre c'est une fille. Alors, je vais mettre c'est une fille. Viens ici, toi. Je vais essayer de trouver une base de papier couleur un peu paille, comme ça. C'est un peu jaune, ça. Ben, c'est bien jaune. Si même si j'avais un peu de orange, ça aurait été mignon. Un jaune foncé ou histoire de faire péter un peu le. Je vais mettre du jaune paille comme ça. Hein? Ça rappelle les fleurs là. J'aurais mis un peu de orange clair, ça aurait été sympa. Vous voyez? Ouais, ça, c'est un peu trop foncé. Je regarde dans mes chutes. Bon, ben, c'est pas grave. Là, ça, c'est bien. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, je vais mettre un peu de orangé comme ça. Voilà, hop! C'est bien, super. Donc, hop, je vais mettre donc mon sentiment. C'est une fille, je dis. J'ai dit que c'était une fille, c'est une fille. Je vais coller ça là-dessus. Ah oui, je voulais mettre une plume aussi pour voir ce que ça donnait. Ça, je ne sais pas si je vais le faire. Parce que comme je l'ai mis au milieu, machin, je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait. Je voulais mettre une jolie petite plume là. Bon, c'est pas grave. C'est pas judicieux ce que j'ai fait. C'est pas grave. Hop et hop. Bon, moi je les ai embossés à chaud, mais bon voilà, hein, c'est pas. Hop, je vais couper ça au massico. Au massico. Je me demande si je ne mets pas une fleur là. Je vérifie hein, que je ne laisse pas la longueur là comme ça pour y mettre une fleur comme ça en rappel ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. J'avais envie de changer un peu, de faire toujours les mêmes. Hein? On fait toujours les mêmes choses des fois. Enfin, c'est pas qu'on fait toujours les mêmes choses, mais un peu quand même. Enfin bref. Donc hop, hop. Et voilà, et ça je vais me mettre en 3D aussi. Hop. Youps. Tira, 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 twan, twan, tira, tira. Ou en double face 3D. Tira, 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 tira. Massico, 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 coco. Massico, coco, oui, massico, coco, massico, coco. Hop, hop. Hop là, tire, 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 toi, tire, tire. Alors, sous la vidéo, comme d'habitude, je mettrai le lien pour les tampons au cas où. Hein, voilà, vraiment, voilà, hein, je ne sais pas. Hop, hop, hop. Moi, je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est un choix. Voilà, hein, vous mettez, vous faites bien ce que vous voulez. C'est comme d'hab. Et puis, je vais rajouter, je mets des strass ou je mets des fleurs. Je sais pas. Attendez, je réfléchis si je sème pas des fleurs sur le treillis là.
Tira, 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 tira. Je regarde. Hein, j'en mets une là. Ah, t'étais tout mignon. Ah, j'en ai des oranges, je préfère les oranges. Je trouve qu'elles pètent plus. J'en mets une là. Oui, c'est trop adorable. Comme ça vous fait vous servir de, au cas où, de vos fleurs. Hein. Je sais pas, moi, c'est une idée. Et là, il y en a une autre, une petite orange. Oh, il n'y en a plus. Oh, je suis triste. Non, c'est ça. Bon, tant pis, on va mettre une jaune. On disait qu'on était très heureux. Hein. On en met une là. Oh, c'est trop, trop mignon. Hein. C'est trop, trop mignon. Allez, et je vais laisser des strass blancs dessus. Je suis pas très fan, mais c'est pas grave. Hein. On disait qu'on était très heureux et que c'est ça qu'on voulait. Hein, c'est ça. Une là, hop, sur le treillis. Ça fait une sorte de treillis. Voilà. Comme ça là. Ah mince. La pétale, elle est elle s'est retirée la pétale, viens ici toi. Voilà. Hop là, voilà. Voilà, c'est trop adorable. C'était tout mignon, hein. Voilà, hein, pour se servir du bolduc, comme si c'était des feuillages, comme si, voilà, bon, c'est un, d'accord, ok. Voilà, comme ça, qu'ils ont pensé. Vous dites que c'est adorable, hein. Regardez, hein, c'était tout mignon. Après, voilà, moi j'ai fait ça un petit peu à l'arrache de treillis, mais je trouve que c'est sympa. Voilà, hein, c'est une fille, voilà, si c'est un garçon, eh bien, bon, je vous dis, moi, si mon bolduc, il avait été blanc, ça aurait été peut-être mieux, mais bon, voilà, j'ai que ça, j'ai que ça, j'ai rien, c'est pas ma faute, hein, si j'ai rien, je vais peut-être rajouter des fleurs, là, aussi, mais j'en ai plus, là, non, non, je trouve qu'il n'y a pas assez de fleurs, il faut que ça soit fleuri, 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 des blanches, là, comme ça, ouais, je vais en rajouter deux, et je vais laisser les strass argentés, là. Ouais, enfin blanc là, je sais pas quoi là. Hein, c'est pas grave. Hein. J'ai envie que ce soit très très fleuri, moi. Voilà, une là et encore une là. On a envie de faire quelque chose de très 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 fifille. Très très fifille. Vous avez compris. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Tu sais, c'était tout mignon. Hein. Voilà, quelque chose de très 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 fleur, très très. Là, et là, je regarde juste. Hein. J'ai le droit d'en mettre autant que je veux, de toute façon. C'est ce que je veux. Là. Non, ça suffit. Voilà. Hop, hop, voilà. C'est très bien. Oui, je trouvais que c'est. Il en fallait. Hein. Tu sais, il en fallait d'autres. Moi, je trouve. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Une petite cartounette toute mignonne, voilà. Après, voilà, c'est juste une idée, comme ça, parmi tant d'autres, parmi tant d'autres. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques idées, en tout cas, hein, et puis vous permettra d'utiliser vos machins, là, ça, c'est ça. Si je retrouve le blanc, si je le retrouve, je ferai une autre avec un treillis blanc. Ouais. Voilà, parce que je pense que ça rendra mieux avec le blanc. Mais je sais rien. Je pense que ça ressortira mieux avec le blanc. Et puis faire comme les feuillages, mais or. Hein. Voilà, blanc et or. Hein. J'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, voilà. Si j'ai l'occasion, je mettrai les deux en photo. Mais sinon, voilà. Je vais mettre, tiens, la petite chute là pour mettre le mot à l'intérieur. Je vais la mettre comme ça là. Hein. J'ai une chute là. C'est toujours pareil. Quand vous avez des chutes, pensez à tout de suite faire une pochette pour l'intérieur dans le style là. Dans le style, dans le style, dans le style, je vais faire un U là comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, on fait ça. On fait ça là. Hop là, comme cela. Et bien à l'intérieur, je vais mettre Welcome si ça tient. Voilà, Welcome Little One. Ah, t'étais tout mignon. Ou alors You have been. Ouais, c'était tout mignon. Hein. Welcome, welcome, welcome. Allez, welcome. Hein. Ou You have. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Oh, tu as fait chavirer mon cœur, hein, c'est ça. Alors, hop, je vais mettre ça. Un sentiment comme ça à l'intérieur. Et puis, vous mettez la photo du bébé. Voilà, c'est très bien. Je regarde juste quelque chose. Voilà, c'est parfait pour mettre le mot. Et puis, vous pouvez toujours rajouter une petite fleur de ci, hein, de là. Oh, t'étais tout mignon. Voilà, comme ça, là. Voilà, il faut une fleur là, bien sûr, aussi. Et voilà. Hein, tout de suite, ça fait tout de suite plus mignon, bien sûr, évidemment. Hein.
peut être l'intérieur, l'extérieur, et puis voilà, hein, voilà. Allez, ça suffira. Il suffira, merci. Hein, tchou, tchou. Je vous dis, si je retrouve mon bolduc blanc, je ferai un modèle avec le truc blanc, mais voilà, je suis sûre que ça sera mieux. Sûr. Ça ressortira plus. Mais bon, ça va, c'est joli. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on se retrouve pour l'ouverture de courrier. Hein, d'accord? Enfin, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais je vais ouvrir. J'ai du courrier un petit peu à la bourre. Donc, je vais l'ouvrir. Et puis, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Hein, et puis, prenez soin de vous, quoi. Voilà. Allez, bientôt. À bientôt. Ciao.